Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Wani dans le Pas-de-Calais pour participer au trail des pyramides noires dans sa version 55 km. Les pyramides noires pourquoi? Parce que hop, je vous montre, alors vous n'allez pas le voir mais c'est tout là-haut, tout petit. On va escalader les terrils, c'est parce qu'il y a les résidus des charbons quand on vient creuser les puits pour aller chercher le charbon il y a quelques années dans cette région de la France. Donc on va traverser le bassin Houiller, on va prendre les navettes qui sont prêtes, qui vont nous emmener au départ à Los Angeles, et on va revenir ici à Wani après les 50 km et une dizaine de terrils de traversée, de montée. Voilà, bah, écoutez, on se retrouve sur la ligne de départ. À tout à l'heure. Bon. Ben voilà, nous sommes arrivés sur la ligne de départ, sur le terril du 11-19, pour prendre le départ à Los Angeles. Tous les coureurs sont quasiment là, le départ est dans 5-6 minutes, donc on va y aller, il fait beau, il fera chaud, que demander de plus? Allez, regardez, hop, ils sont là-bas, et on a les petits drapeaux avec la ligne de départ. Je l'ai oublié, c'est que là on va démarrer, c'est de 100 mètres de plat. Et dans 3 km, on a déjà fait le point le plus haut de la course, 184 mètres. Parce qu'on le voit d'ici, donc il est un peu caché. Donc je ne vous le verrai pas, mais je pense qu'on va commencer par une belle vue dès le début. Donc ça va être bien. Bon allez, je vais sur la ligne si ça commence à causer. A tout de suite. Allez, c'est pas tout la fin. Et ben voilà, 7h. Top départ. Ah bah voilà, vous regardez. Où est-ce qu'on va monter? On va monter là-haut. Ça, dès le début, on enchaîne pour le plus dur. Donc, on est parti pour 51 et quelques kilomètres au lieu des 55 prévus, donc un peu plus court. Et normalement autour de 700 D+. Donc on verra ce que ça donne à la fin. Donc logiquement ça devrait être plutôt roulant. En fait les montées sont sur des... juste les terrils, donc c'est vraiment très court en montée en descente. On verra ce que ça donne. Allez, je vous emmène dans cette balade ensoleillée de cette fermée. Bon, voilà déjà le premier. Au bout de 700 mètres, c'était prévu. Donc, je pense qu'on va monter tout là-haut. Hein? Allez, à prendre notre temps, ça sert à rien de se presser. L'important, c'est de participer et de finir. Hein? Bon, du coup, je pense qu'on aura quand même des... ah, voilà. On aura des beaux pourcentages. On va être court. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait le tout le dénivelé est sur des pentes super pentues. On a du 20 et du 30% par endroit sur ces terrils. Qu'est-ce qu'un terril? C'est ça. Hein, c'est la terre qui a été sortie quand ils ont creusé pour aller chercher le charbon. Donc ils ont fait les trous, il fallait bien trouver où vous le posez, donc ils ont inventé les terrils. Donc ça fait des monts un peu partout dans le... regardez-moi ça, dans le bassin minier. Il y en a tout autour. Des puits de mine. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Qu'est-ce qu'on dit toujours, hein? Tout ce qui aurait été monté devrait être redescendu. Et après être monté sur celui-là, hop, on prend le petit jumeau à côté, mais on ne montera pas en haut sur celui-là. Donc on tournera, c'est un peu plus simple. Mais on montera un tout petit peu plus bas. Allez, on continue.
petit single matinal à l'ombre. Il fait bon. Je pense avoir chaud. Je pense que je vais pas enlever les manchettes que j'ai mis. Il faisait autour de 9-10 degrés au départ. Puis bah, il devrait faire 22-23 aujourd'hui à l'arrivée. Donc bon, des bonnes températures plutôt. Après, on va se mettre à l'aise. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Bon, comme mon ami Vincent, plutôt en que de peloton, mais on s'en fout. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, je suis sur le 55, et il y a aussi un 110. Et du coup, les 110, ben, ils sont devant, ils sont derrière. En fonction de leur avancement, ils sont partis à 23h hier soir, nous on est partis à 7h ce matin. Donc on est, je sais pas, sur le milieu ou la fin du 110. Donc, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Hop. Toujours sympathique. En plus, mon petit faux plat descendant. Ça fait déjà mal au cuisses quand même, les descentes. Finalement, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est pas les montées, c'est les descentes. Donc on verra si mon entraînement sur le plat me pénalise. Il y a des chances, comme d'hab. Mais bon. Allez, on continue. Je savais même pas, mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait on passe dans les jardins et à proximité du musée du Louvre-Lens. Parce que comme vous le savez, le musée du Louvre à Paris a ouvert une succursale à Lens, donc le Louvre-Lens. Il y a aussi un à Abu Dhabi, je crois. Donc, j'ai jamais vu ce musée, mais ça serait bien de le faire un jour. Pas con comme idée. Oh non, me dites pas qu'on passe dedans. Oh, ça serait énorme. Oh, j'en ai bien peur, les gars. Ouh, la bonne nouvelle. Ça, c'est chouette. Bon, bah, je vous emmène avec moi, alors. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ils ont le dossard jaune. On va faire que la billetterie, mais... Un peu mal. Bonjour, merci. Bonne journée. Allez, hop. On y va. Merci, bonne journée. Alors ça... Bon, on n'est pas passé dans les salles d'exposition, mais... Original. Un point. Bon, 10 km en 1h17. Pas très rapide. Mais je m'en doutais un peu que j'ai pas tellement les jambes aujourd'hui. Donc on va faire avec. Hop, par contre. Bon, trail des pyramides noires. Effectivement, là on est encore dans un single. On s'est quand même payé énormément de villes, de bitume. Il y a beaucoup de... Là, on s'approche d'un terril qu'on va remonter dans pas longtemps. Il y a quand même beaucoup de parties de ville. Donc si vous n'aimez pas le bitume, vous êtes des vrais trailers. Bon, c'est pas forcément pour vous, mais c'est pas désagréable. Hein. En tout cas, pour moi, il y a un petit côté nostalgique à revenir dans les villes. Hein. Où je traînais quand j'étais petit, vu que ma maman est de Noyelles-sous-Lens. Là, on vient de sortir de Liévin. Liévin, un énorme souvenir d'un concert de Jean-Jacques Goldman. Je crois que ça date en 98, sur la tournée en passant. C'était génial. Donc voilà, c'est quand même la ville de mon enfance et toute ma famille maternelle qui est du coin. Donc on va d'ailleurs passer tout à l'heure à Noyelles-sous-Lens. Donc, émotion pour moi. Donc on va essayer au moins d'y aller jusque là-bas. Ou de finir, pourquoi ? Pourquoi essayer ? On va finir, même s'il faut marcher, ça va le faire. Bon allez, en attendant, enquêtez-vous. Allez, un terril de plus. Et celui-là, donc pour reprendre le terme technique, c'est du schiste qui est sorti de terre. Et celui-là où on est, il y a eu, il fait environ
était noté 37 millions de mètres cubes. Je sais pas si vous vous rendez compte le boulot inhumain qu'il y a eu de la part de tous ces mineurs pour extraire tout ça. Au début de l'extraction des mines, on n'avait pas les outils modernes. Ils avaient tout ça à la force du poignet. Franchement, chapeau quoi. Petite dédicace aussi à mon papy, donc le papa de la maman, qui était qui travaillait dans les mines. Il me semble qu'il était électricien, mais bon, le boulot n'était pas simple non plus. De course et 17 km. Bon, ben, nous sommes dans le parc de la Glissoire. Je pense qu'on va être du côté de Lens. J'ai vu des panneaux ville de Lens qui balisaient, qui protégeaient le passage du bâtiment. Je pense qu'on va monter là-haut. Ouais, au belvédère, voir ce qu'il se passe. Ouais, c'était pas obligé de monter les gars. Enfin bon. Ouf. Bon, on redescend déjà. Alors qu'on aurait pu passer là. Mais bon, faut jouer le jeu déjà. Hein ? Bon, on reste dans son canapé à la maison. Bon les amis, je sors du ravitaillement, le seul, l'unique, qui était à presque 26 km sur 55, autant dire qu'on a qu'un à la moitié, un peu chaud. Bon après il reste un ravitaillement d'eau à 12 km de l'arrivée, à peu près donc du coup à la moitié de ce qui me reste. On en est à 3h30, ce qui est plutôt bien, ça a plutôt bien couru. Après il faut dire aussi qu'il est roulant. Et c'est surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que... on monte là-haut et quand je vois le chemin que prennent les coureurs, c'est tout droit, donc c'est la pente la plus dure. Donc juste après avoir bouffé, quoique j'ai pas encore fini, ça va, mais bon, si je dis pas de bêtises, faudrait que je revérifie sur le profil. Je crois que c'est la dernière dernier pétard, ça devrait aller mieux. Ouais, je sais pas si on se rend compte, mais Sophie, hein, c'est pour toi celle-là. Oh la vache. L'horizon il est comme ça. On monte là-haut. Bon, il faut redescendre là les gars. Là, tu vois, je sais pas si on voit les deux gars là-bas, mais on vient de descendre ça. Le résultat, regardez la gueule de mes mains. J'ai fini sur le cul. Oh la vache, le carnage. Juste pour monter et pour descendre ça. Ouf. Heureusement qu'il y a juste deux petits pics comme ça. Je crois que c'était le dernier, j'ai pas vérifié encore. Mais ouf. Aucune prise au sol. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir pris ouais, déjà chaussures blanches, c'est une bonne idée dans le charbon, enfin, dans le schiste de charbon. Et là, j'ai arrêté de ne pas avoir mes chaussures de trail, mais bon, même si sur le reste du parcours ça allait, hein. Je pense que ça va aller après. Mais bon, il faut la retrouver son rythme maintenant. Ça va avoir bouffé la pause et cette montée. Ouf. Allez. On continue. Bon ben, on a passé le 30e kilomètre. Comme sur la course, oula, au soleil. Comme sur la course, il est prévu
51 km. Bah, du coup, il reste un semi-marathon et on est arrivé. Et ça fait, voilà, chaque fois que je regardais la montre, on ne voit pas, 4h14. Si je rajoute les 45 et 4 et 5, on va être sur 7h. Bon, c'est arrivé pour 14h. Une douche et on mange. On mange et on se douche. On verra dans quelle heure on fait les choses à l'arrivée. En attendant, on n'est pas encore là. Il reste 21 bornes à finir. On va essayer de s'y mettre. Bon, allez, on y retourne. Bon, les gens, si je vous dis qu'on est venu sur cette course juste pour venir courir à Noyelles-sous-Lens, ville natale de ma maman, je pense qu'il y a de ça aussi quand même. Hein, vu le tracé, je pense qu'on est venu pour ça, principalement. Donc maman, cette course, elle est pour toi. Big up. Bon, allez, en attendant, il reste encore 19 km à faire. Donc on va y aller, et essayer de finir. Go. C'est quand même un spectacle. On a presque l'impression d'être sur la lune par moment. Il n'y a personne, il n'y a que du caillou. Et là, on nous fait zigzaguer, longer, revenir, longer, revenir. C'est tout là-bas. On revient. Sortie du ravito, EAU. Où il n'y avait que de l'eau, mais c'était prévu, il reste 13 km, on a pu laver les mains, rincer la figure, refroidir un peu la casquette, ça fait du bien d'avoir un peu du frais sur la tête, et puis ben, on y va pour les 13 dernières maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix, mais on commence à faire chaud, hein. Les jambes commencent à tirer, mais bon, c'est normal me direz-vous, on commence à bientôt battre son record de distance, hein, quand on sera passé les 42, quitter ce que j'avais fait sur le trail du Josas. Bon, à plus. Bon, ben nous voilà arrivés au marathon, 42 et quelques patates, en 6 heures et 2 minutes. Bon, clairement c'est pas un record, hein. C'est compliqué sur trail de se talonner par rapport à ce sur la, à la route, mais bon, j'ai super mal aux cuisses. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, je retiens encore, donc il reste plus que 9 km. Bientôt la fin. On commence à décompter. Hein. Bon, on va pas se mentir. On va pas dire qu'on finit dans le bonheur. J'ai mal aux cuisses. Des coups de poignard à chaque fois que je fais un pas. Et je pense à avoir le genou gauche là qui commence à dire. Non mais j'en ai trop fait là, faut qu'on arrête. On a pu voir. Donc il reste 4 km. Et un terril à monter et descendre. Et pendant ce temps-là, on est le long d'un petit canal. Non, je vous avoue que je n'ai pas le nom. Mais c'est plutôt sympathique. Et voilà les amis. Des marches et notre dernière montée à 1,25 km de la ligne d'arrivée. Donc on va la monter, on va la redescendre. Voilà. Et on aura fini cette course. Je sais pas si vous voyez, mais on monte en colimaçon. Ce terril. On va encore aller là-haut. Une fois qu'on est là-haut, on redescend et ligne direction, ligne d'arrivée. Et c'est fini. Il reste 900 mètres. On court à concernant la descente. Hein. Bon bah voilà. On est arrivé en haut. Il faut qu'on redescende pour aller là-bas. Donc vous avez la ligne d'arrivée. Et puis les food trucks et tout ce qu'il faut bien pour se restaurer. Allez, bah,
On redescend maintenant. Allez, go. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Et ben voilà. Vous l'arrivez à l'arrivée. Voilà pour dire bien fort, ça va vite. Hop. Avec les petites récompenses. Et le premier, donc il vient de Billy Berclos. 2h30 minutes 20 secondes, Fabrice Lejeune. Et ben voilà. Bon bah. Voilà. Puis. Bon bah les amis, on a mangé, on s'est douché. Voilà, comme une belle course avec des. Alors plutôt roulant, un début beaucoup de bitume, après beaucoup de trail, on est que sur les chemins, les terrains, le long des parcs, des canaux, donc ça c'est pas mal. Les terrils qui font mal, il y a des dénivelés de 20 à 30%, celui après le ravitaillement, enfin, vous l'avez vu sur les images, hein, c'est dentelle, c'est le plus difficile qu'on a eu à passer toute la course. Donc bah voilà, c'était dans tous les cas un retour sur le terrain de mes ancêtres, un côté maternel. Donc rien que pour ça, très content de l'avoir faite, de l'avoir fini cette course. En attendant, bah, si là, sportez-vous bien et à très vite. Ciao.